attendez. Mesdames et messieurs, on rigole, on rigole. Mais la situation est tragique. Otto est dans la forge du diable avec le diable qui lui a tendu un piège, va lui sauter dessus, lui faire des horreurs. Il faut absolument prévenir Otto que le diable est derrière lui. Je vais demander à Léo. Léo, gamin, il faut absolument que tu préviennes Otto. Mais il peut pas. Pourquoi? Il est mutique. Il est mutique. Mais comment est-ce qu'on va faire pour vous prévenir, monsieur? Mais je ne peux pas demander à un gamin. Un gamin, d'accord. Allez. Mais il n'y en a pas d'autre dans l'image. Bah, il y a les filles. Ah, mais ça a pris Nobel. Ben oui, là, il n'y en a pas. Ils sont là depuis un petit moment. D'accord. Est-ce que tu sais crier? Non. Oui, oui, oui. Bien, alors. Tu t'appelles comment? Mélodie. Bien, Mélodie, bien, Mélodie. Bon, bien, ici, on encourage Mélodie. Alors on va faire un test pour voir si tu es capable de crier. À 3, je vais te demander de crier très fort. Le plus fort que tu peux. Attention, concentre-toi. À 3. 1, 2, 3. Pas mal, hein? Ouais, c'est bien, c'est pas fini. Maintenant que tu sais crier, Mélodie, reste près de moi. Maintenant que tu sais crier, Mélodie, je vais te demander de prévenir Otto et de lui dire que le diable est derrière lui. Alors c'est pas compliqué. Tu lui dis ceci. Attention, Otto, le diable s'est subrepticement glissé dans une infraction. Thank you.